pouvoir associer plusieurs compétences sur un projet, plusieurs domaines. C'était intéressant. Il y a eu les arts visuels, hein, les langues, la production d'écrits, l'oralisation. Donc, il y a beaucoup de champs qui sont travaillés pour aboutir à un projet concret et puis vraiment quelque chose de plaisant pour les enfants. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment un point qui m'a plu dans ce projet. Mmh. Et évidemment, l'apport de nouvelles langues que moi, je ne connaissais pas non plus. Donc, c'était un plus. Moi, j'ai apprécié la découverte du Kamishibai parce que c'est une structure en fait, que je connaissais mais que je n'avais pas manipulée. Donc voilà, j'ai apprécié déjà moi la découvrir. Donc j'ai pu la découvrir aussi parce qu'on a des kamishibai dans la classe et des histoires bretonnes déjà qu'on leur a proposé en début d'année. Donc découvrir cette technique et puis et après voir la façon dont les enfants s'approprient la technique. J'ai une élève en CP par exemple qui, j'ai une élève en CP et une élève en grande section qui font des kamishibai à la maison maintenant, qui ont qui dessinent et qui écrivent et qui connaissent la technique. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié l'autre jour, c'est justement ce que je te disais d'écouter les enfants, tous les enfants raconter l'histoire en même temps. Et ils finissent vraiment par connaître l'histoire. Et ils passent d'une langue à une autre selon les personnages qui arrivent et avec une aisance et puis un plaisir vraiment de parler d'autres langues. Donc, je trouve que les diverses sonorités leur plaisent et le fait de les ouvrir sur d'autres langues que celles qu'ils ont en classe, c'est-à-dire le français, le breton et l'anglais, là, c'est vraiment une ouverture encore plus large.